Salut, c'est Katoum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la blessing du mois de juin 2021. Je viens de la recevoir, elle est ici. Comme d'habitude, admirez ce beau packaging de box. Je sais absolument pas quel est le thème de cette box du mois de juin 2021. Je n'ai pas eu d'informations ou alors j'ai raté le mail. J'ai pas eu de proposition de produit particulier non plus, ni de thème particulier à choisir. Ce sera la totale découverte et j'ai pas été spoilée. C'est parti, découvrons ce qui se trouve dans cette jolie boîte. J'ai la version bleue, je ne sais pas s'il y a d'autres versions. En tout cas, je la trouve très jolie, je pense que c'est réutilisable sans problème. Pour faire un petit cadeau. Alors, ouverture, je tombe sur deux petits calepins. Alors, le thème de ce mois de juin 2021, c'est Play and Dance. On joue et danse. Ok, je vais le mettre de côté. Et j'ai également un petit code promo. Une publicité plutôt de la marque Blissim qui propose un maxi cabas d'une valeur de 120 euros. Et dedans, vous avez des produits pour l'été apparemment. Ah non, c'est pas ça du tout. C'est en fait, il n'y a pas de box pour cet été. Il y en a une pour deux. Exceptionnellement, cet été, vos box de juillet et août s'assemblent en une double box et prennent la forme d'un maxi cabas assorti au toit bleu de Santorin et au jardin majorel de Marrakech. 10 essentiels à 100% summer, une valeur de 120 euros avec le cabas. À retrouver parmi votre sélection un soin solaire SPF 50. En grand format dans toutes les box, un vernis à ongles, format vente et teinte au choix. Ok, alors la crème solaire, si elle n'est pas bio et naturelle, moi je l'utiliserai pas. Par contre, SPF 50, je la donnerai à mon mari. Et donc, ça serait en tout dans ce style-là. Ok, bah donc pour juillet-août, tu n'auras qu'une seule ouverture de box. Pourquoi pas? C'est parti, je vais découvrir ce qu'il y a dans ma petite boîte. J'ai un. Qu'est-ce que c'est? Un shampoing de la marque Morning Street. Shampoing éclat à l'huile d'argan et de mûrila. 50 ml. Renforce et illumine. Ok. Il n'y a pas de truc sur la composition. Donc ça, vous savez à qui ça va aller. Chez ma mère. Petit format intéressant pour les vacances. Hop, on continue. Ceci a la marque Glim. Ou Glime. C'est un gel nettoyant visage vegan, 99% d'origine naturelle, figue de Barbarie et aloe vera. Très intéressant, j'avais reçu il n'y a pas très longtemps le nettoyant visage sous la douche, je crois. Et là, ben, j'ai le nettoyant visage qui est plutôt clean de composition. Donc ça, c'est cool. Je l'utiliserai, c'est sûr. Tout ce qui est produit full size, je vous mets le tarif plein affiché juste sur les côtés. Quand c'est que des miniatures, je n'ai pas le prix. Continuons. J'ai de la marque Respirer, on the white side, une huile démaquillante, plante sauvage bio et naturelle. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il n'y a pas le pourcentage, mais j'ai juste le pourcentage de total d'issue d'agriculture biologique. Donc, ça ressemble à ça tombe bien puisque je voulais m'offrir une huile démaquillante. Et c'est EcoCert, Cosmos Organique, ça fait 10 minutes. Je pense pas que ce soit un full size. Format pompe, très pratique pour une miniature. Et je sais pas si vous voyez, le produit il est blanc à l'intérieur. Bon, on verra ce que ça donne. Mais j'avais envie de tester justement, ça tombe bien. Vraiment, on a deux produits pour le visage et un produit pour les cheveux. Ensuite, j'attrape. Nous avons le concentré. Hyaluronique de la marque je sais jamais comment ça se prononce cette marque. Et ça, c'est un format miniature, c'est vegan, non testé sur les animaux et c'est bio-organique. Ça, c'est cool. Il y a 99% d'origine naturelle, 32% bio. Très bien. C'est du gel pur, sûrement. Donc, ça va être vite testé, mais je suis contente parce que ce genre de produit, j'utilise. Donc, encore un produit pour le visage. J'ai un gros truc qui est couleur cuivre, assez pailleté. Qu'est-ce que c'est? C'est un illuminateur de corps et de cheveux de la marque
Brave New Care. Donc c'est pas la première fois que je tombe sur cette marque-là. Voilà. Est-ce qu'on peut ouvrir? Oh, ça sent l'homme. Vous voyez, c'est assez. Ça a l'air d'être gélatineux. Ah oui, c'est complètement gélatineux. Ok. Oh, ça sent. Ouais, ça sent l'homme. Illumine le corps et cheveux avec de la menthe, de provitamine B5 et du sucre hydratant. Ok, ils disent que c'est vegan. Et c'est tout. Ouais, c'est vegan. C'est déjà pas mal, c'est un produit vegan. Donc ça, on va dire que c'est pour le corps. Parce que mettre ça sur les cheveux, je suis pas. Je sais pas, c'est un peu perplexe. Et enfin, il me reste encore deux trucs. Là, j'ai quoi? J'ai un blush liquide 100% naturel de la marque Ilikia Beauté. Beauty. Alors, blush liquide, je ne connais pas. Ils disent que c'est 100% naturel aux extraits de framboise. Ce blush liquide rehausse le teint d'une couleur vivante et fusionne à la perfection avec la peau. Donc, ils disent qu'il faut bien secouer avant d'utiliser. Appliquer de préférence avec un pinceau pour le blush, puis tapoter au milieu des pommettes et estomper. Déjà, je vais tester sur ma main. Oula! C'est très liquide. La couleur, elle est jolie. Est-ce que ça a une odeur de framboise? Ça n'a pas d'odeur. Donc, ça ressemble à ça. Attendez, je vais faire. De l'autre côté. C'est très très liquide. Hein. Il faut faire attention. Donc, ça, je pense que c'est un produit full size. Je vous indique le prix juste en dessous. Et donc, vous laissez tomber. Bon, ici, on voit un peu la couleur. Là, vous ne verrez pas. Mais moi, je vous assure qu'il y a de la couleur. Ok. Et pour terminer. Je pense pas que ce soit irisé, ça a l'air plutôt mat. Pour terminer, nous avons eu un échantillon de Valentino Donna Born in Roma Yellow Dream. Je connais pas du tout quelle odeur ça a cette chose. Ah, ça sent l'eau de Cologne pour moi. C'est assez costaud. Donc lui, je vais le laisser de côté. Nous venons de terminer la découverte de la box de Glissime juin 2021. Alors, je vous rappelle, nous avons eu un shampoing pour les cheveux que ma mère aura bientôt. Un produit pour le corps et cheveux, mais uniquement pour le corps, je pense, parce qu'il est assez. Une démaquillante pour le visage. Un nettoyant visage. Un blush liquide. Et. Un concentré d'hyaluronique. Faire des noms moins compliqués, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je pense que cette box est plutôt classique. À vrai dire, il n'y a pas de thème particulier. Je pense qu'ils ont reçu des produits et parfait. Vas-y, vas-y que je te les balance. Il y a quand même 1, 2, 3, 4 produits naturel et bio, ça c'est clean aussi je suppose, mais c'est pas bio ni naturel. Et le shampoing, je ne sais pas, je ne veux pas m'y attarder dessus. Je suis contente de ma box et j'aime bien quand il y a des thèmes. Là, je play and dance, à part ça qui fait très estival et peut-être le blush, le reste ça me fait ni jouer ni danser. Hein. Je comprends pas trop le délire de Blissim d'avoir nommé cette box ainsi. Pour moi, c'est plutôt des produits qu'ils avaient et qu'ils ne savaient pas comment les mettre dans les box. Et bah, voilà. Je vous ai mis dans ma barre d'infos mon lien de parrainage si ça vous intéresse sur le site de Blissim. Je sais plus trop ce que ça vous rapporte, mais si ça vous intéresse, c'est en barre d'infos. On se retrouve très prochainement pour l'ouverture de la box juillet-août. Je ne sais absolument pas dans quel mois je vais la recevoir. Est-ce que ce sera début juillet? Je pense quand même si c'est les essentiels de l'été. Vous devez le recevoir en juillet qu'en août. Je pense. Ça veut dire qu'on a une box de moins également en août. Et qu'on se retrouve en septembre. Il faut se renseigner sur la question. En tout cas, merci à tous de m'avoir regardé. On se retrouve très prochainement pour une future ouverture de box Blissim. Je vous embrasse et prenez soin de vous.